Ce puits qui fait une cinquantaine de mètres de profondeur. Tu suis toujours la petite... La petite voile a vraiment fait... Oh. Qui fait une cinquantaine de mètres de profondeur. Tu suis toujours... Ouais, ouais, combien t'as dit? 50 mètres? Oh. Qu'est-ce que c'est beau! Arrêtez, arrêtez, c'est pas moi qui ai les idées mal placées, c'est eux qui ont tourné ça comme ça, merde! Bienvenue, petite session nostalgie, effectivement, dans les gorges de l'Ardèche. Je vais découvrir. L'Ardèche, il y a 20 ans, ça ressemblait à quoi? Commençons par jeter un œil sur la carte. L'Ardèche, c'est donc une rivière qui a également donné son nom à un département. Elle prend sa source sur les contreforts du Massif central et serpente sur une centaine de kilomètres avant de se jeter dans le Rhône. Mais c'est ça, mais jette-toi sur nous! On te dira rien, mais ça va pas? Il paraît que son histoire remonte à 110 millions d'années. T'as vu ça? C'est grandiose! Oh, ce plan! C'est immense! 110 millions d'années pour creuser ça? La honte! Franchement, la honte, aujourd'hui, avec les moyens techniques, on fait ça en quoi? Trois mois? Eh bien, effectivement, pour comprendre, il faut remonter 110 millions d'années en arrière. Ça se fait. Un immense lagon s'étendait à la place des gorges de l'Ardèche. Les coquillages et les micro-organismes pullulaient. Et une fois morts, ils tombaient au fond du lagon. Et c'est ça le calcaire? Non, arrête. Mais c'est dégueulasse! Mais il y a des morts sur moi quand je me douche! Mais ça me dégoûte! La douche de ces morts! Ah! Et ils ont fini par former une couche de plusieurs centaines de mètres qui, avec le temps, s'est transformée en un socle calcaire. Alors comment est-on passé d'un socle calcaire noyé sous les eaux d'un lagon au relief escarpé des gorges? Eh bien, l'eau qui s'écoulait du relief voisin, le Massif central, a tout doucement commencé à creuser son chemin. Alors à l'époque, il s'agissait simplement d'une rivière courant sur une plaine. Seulement, les plaques sur lesquelles reposent les continents et les océans... Ah mais tout bouge! Mais ça me dégoûte, tout bouge! Vous avez vu comment ça twerk là? Continuez à pousser et petit à petit, les massifs des Pyrénées et des Alpes sont sortis de terre, entraînant avec eux toutes les zones qui se trouvaient en bordure, dont le socle ardéchois. Alors évidemment, le processus s'est étalé sur des millions d'années, et tandis que d'un côté le socle ardéchois se redressait, et bien de l'autre, la rivière continuait inexorablement son travail d'érosion en creuse. Donc en fait, il y a et l'érosion du fait qu'elle creuse, et il y a le fait que le massif est émergé aussi avec les plaques qui fricotent, il y en a une qui passe sous l'autre, enfin voilà, on connaît les bails, on a vu. Hein. L'entrée dans les gorges de l'Ardèche, on ne peut vraiment pas la manquer. Elle est signalée par cette grande arche naturelle de 60 mètres de haut. Mais ça a été creusé par qui, ça? On dirait moi quand je fais un château de sable et j'appuie avec le doigt en mode « Là, on fait un pont !» J'aimerais bien savoir comment elle s'est formée. Ah, mais vous expliquez. Non, mais je vois pas comment la flotte, elle fait un hula hoop pour éroser là. J'ai l'impression que j'ai déjà perdu quelqu'un. Mais Fred, attends-moi! J'en peux plus de ramer, j'en peux plus. Donc attendez, on a vraiment Fred, bien sécurisé, maillot, gilet de sauvetage, t-shirt et tout. Et après, on a vraiment un plan sur les pieds de la petite voix, parce qu'il faut la sexualiser, parce qu'on voit jamais son visage. Et son corps, c'est vraiment pour le daron qui regarde l'émission avec ses gamins, en mode, regardez comme elle est bonne, plan pied quoi. Mais c'est du Tarantino! C'est du Tarantino ou du C'est pas sorcier? Arrêtez de me mettre ces gros orteils là devant la gueule et ces jambes épilées! Non mais la meuf à qui on a dit, excuse-moi mais là il faut qu'on fasse un plan pied, mets tes belles jambes, mets-les comme ça, comme si on était dans une pub de shampoing, ok? Tu les mets bien comme ça, t'es bonne ma belle, t'es bonne, c'est bien. Non mais qui a décidé ça? C'est qui le réalisateur là? J'ai envie de lui faire bouffer mes crottes, vraiment c'est horrible. Un paquet de dynamite. À l'origine, il y avait un méandre. En s'écoulant, l'eau creuse à l'extérieur du virage, ici, là et là. En règle générale, la paroi s'effondre au fur et à mesure que le virage se creuse. Et lorsque les deux virages se rejoignent, l'eau a poursuivi son travail de sape en creusant une arche. Wow. Laissant bien sûr derrière elle un bras mort qui depuis s'est comblé. Dans les gorges, le pont d'arc est... C'est le bras du Zul. Voilà, je vais être remplacé par quelqu'un de plus jeune, moi aussi, comme Krivin fut un temps. Et après, je vais mourir. Si jamais il faut passer un rapide, il faut pagayer très fort pour aller plus vite que le courant.
avez entendu le bruitage fait à la bouche? Il fait blou 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 blou, je suis éclatée. Ah bah c'est raté. C'est raté, ouais. C'est raté. Ouais, je te le confirme. C'est peut-être le moment le plus revisionné. Mais non, encore ses jambes. Arrêtez. Mais va, oh, elle est à poil. Elle est à poil. Regardez, il y a son soutif et son cul là. Mais la petite voix, mais tu peux pas faire ça. Non mais ça me... Enfin franchement, la petite voix sexualisée comme ça, ça m'énerve de ouf. Parce que c'est clairement pour les darons qu'ils ont fait ça, donc ça m'énerve de ouf. Et ça, c'est ce qu'on appelle une cravate. Eh, hey, bon courage, messieurs, hein. Là, c'est une cravate classique, hein. C'est un bateau qui est coincé au... Mais vous avez peut-être autre chose à foutre que d'aider ces guignols à se sortir de leur rocher, là. Putain, mais ça, c'est les touristes. Vous pouvez pas faire des activités sans bloquer des gens qui ont autre chose à foutre. Le bateau va être entraîné par le courant de ce côté et il va sortir tout seul. C'est sûr, c'est plus cool sans le bateau. Hein. Oh ah, mais j'aurais tellement peur de me manger un rocher et de me faire un fracasser le crâne. Quelques passages délicats, la descente des gorges reste accessible à tous et pratiquement toute l'année. Sauf... Accessible à tous? Bah, je suis désolée, là, ma grand-mère, je l'amène pas là-dedans. J'ai rendez-vous avec un copain géologue. Ah, enfin! Enfin, un vrai scientifique, là. On en avait marre. On a vu un naturiste, on a vu un sapeur-pompier. Là, voilà, la vraie science. Elle est là, la vulgarisation. Regardez-le, il a sa tenue de scientifique. Très important, avec son sac de scientifique. Il a un outil de mesure de scientifique. Eh oui. On va aller explorer le réseau karstique d'Orniac. C'est l'un des plus beaux de toute l'Ardèche. Mais pour y accéder, il faut descendre ce puits qui fait une cinquantaine de mètres de profondeur. Ça suit toujours, la petite voix. C'est tellement un truc sexuel, je suis désolée, ça lui tient tellement bien là. 2 mètres de profondeur. Tu suis toujours la petite... La petite voix, elle a vraiment fait... Oh. Qui fait une cinquantaine de mètres de profondeur. Tu suis toujours... Qui fait une cinquantaine de mètres de profondeur. Tu suis toujours... la petite voix. Mais pourquoi ils font ça? Pourquoi ils sexualisent la petite voix? Ça me dégoûte. La petite voix. Ouais, ouais, combien t'as dit? 50 mètres. Oh. Oh. Oh, 50 mètres, c'est rien. Qu'est-ce que c'est beau. Wow, 1 mètre. Qu'est-ce que c'est beau. Ouais, ouais, combien t'as dit, 50 mètres. Qu'est-ce que c'est beau. Arrêtez, c'est pas moi qui ai les idées mal placées, c'est eux qui ont tourné ça comme ça, merde. Mais en fait, les gouttes d'eau qui passent à travers la masse calcaire dans les fissures, elles dissolvent du calcaire. Ouais. Donc quand on arrive au plafond. Ce que j'adore avec Fred, c'est qu'il en a rien à foutre de ce que les gens lui disent. Il a des mots-clés en tête qu'il faut que toutes les personnes qui n'ont pas l'habitude de passer à la télé disent, et qu'il les dise vite, et après hop, il passe à autre chose, il en a rien à battre. Je sais pas si vous avez remarqué, il fait tout le temps ça. Elle dissolve du calcaire. Ouais. Et ce sont ces éclaboussures qui forment les pétales qu'il y a sur le côté. D'accord. Alors que celle-ci est beaucoup plus régulière. J'en veux pour exemple ici à Orniac où on a 32 hectares. Il a les yeux écarquillés comme ça. Ah, on connaît pas tout, hein. À 32 hectares, on sait pas, hein. De surface de grotte qui communique avec la surface avec un puits de quelques mètres carrés seulement. C'est-à-dire qu'il suffisait pas de grand-chose pour que ce puits n'existe pas et que tous les réseaux sont encore à découvrir. Certes. Il reste tant de choses à connaître, vite. Ouh. T'es là? Bah oui, je suis là. Moi aussi, j'ai trouvé quelque chose. On va dire que c'est moi, mais là, ça me fait... La forme, là, il y a quelque chose, non? On va dire que c'est moi. C'est possible, dans les peintures pariétales, il peut y avoir des dessins de vulves ou autres. Souvent, ils utilisent des aspérités de la grotte. Ah, bizarrement, ils nous montrent pas ces dessins-là, hein. Ils nous montrent les dessins d'animaux. Ils nous montrent pas les énormes vulves et pénis, hein. Je suis très déçue, hein. Comme tout castor qui se respecte, il passe ses journées à chercher du bois pour construire des digues. Digues du cul. Les falaises, quant à elles, hébergent toutes sortes d'oiseaux rupestres. Des choucas, des grands... Je suis fatiguée. La réserve naturelle, chaque année, prend en charge une opération de nettoyage, avec d'ailleurs les loueurs de canoës. Et ce sont véritablement des tonnes de détritus qui Pardon sont ramassés chaque année. Mais non, mais sinon on leur interdit, hein, ça va pas ça. Un pneu. Le mec, il a garé sa voiture directement à l'intérieur de la rivière. Hé, hey, Sabine, Jamie, vous voulez venir bivouaquer avec nous? Une soirée boîte? Oh, sans façon, moi je préfère un bon poulet maison. Une petite cuisse, Sabine? Oui, et les frites? Elles sont où les frites? Ah, bah y a pas de frites. Oh, c'est vraiment l'Ardèche, hein. C'était juste pour faire cette vanne qu'ils ont mis un poulet dans un réchaud, là. Il fallait pas.
Est-ce qu'on est choqué et déçu? Non, c'est lui qui a montré les pieds de la petite voix. Directeur photo Jean-Marie, nous savons, nous sachons. Non, mais c'est vrai que les vannes, des fois, il faut les tanker. Mais ça reste, c'était cool. Hein. L'épisode était cool. C'était joli. Le corps du moustique est constitué de trois parties. Oui. La tête. Oui. Le thorax. Et le cucu. Et l'abdomen. Le cucu. Comment ça, l'abdomen? C'est pas un abdomen, ça, c'est un cucu. Constitué de trois parties. La tête. Le thorax. Le dodo. Le cucu. Et l'abdomen. Fixé au thorax, trois paires de pattes.